badass de l'histoire Star Wars. Ouais, si on compte. Enfin, ouf, ouais. Avec Mara Jade. La femme à Luke. Et ça, tu peux pas me dire non. Comment je fais pour descendre? Je peux pas descendre. Ouais, il me faut un costume. Même t'as vu les ennemis de l'époque, les combats. Ouais, non, mais en même temps, Bastilla, si j'ai bonne mémoire, c'est la période de. De Malgus aussi, non? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Non, j'ai dit qu'il ne faut plus avoir foi en Disney. Je n'ai pas posé de questions, alors j'ai même entendu. Non mais t'imagines? T'imagines les ennemis de l'époque? T'imagines c'était quoi les armées de l'époque? À l'époque c'était pas les clones, c'était le feu. Bon, je vais pas cracher sur les clones, hein. Les clones je les adore, hein. C'est vraiment la meilleure armée de la République, hein. De la République, hein, j'ai dit, pas de l'ancienne. C'est la meilleure armée que la République aurait pu souhaiter, hein. Regarde la bande-annonce de ce. D'ailleurs, t'as vu qu'il va y avoir une suite là. Enfin, qu'il va y avoir un nouveau jeu là sur l'Ancienne République, je crois. Dans les Sith et les clones, c'est pas les mêmes. Oh, je vais le frapper. Nako, retiens-moi, je vais le frapper. Je lui fracasse le front. Mais il regardera jamais! Jamais il regardera cette andouille. Je connais ton surnom, c'est suffisant. Mon surnom? Comment ça, mon surnom? Jamais je retoucherai un Star Wars. Et tu me demandes d'être patient avec lui, Nako? T'es sérieux? Tu me demandes vraiment d'être patient avec une créature pareille? Ah non. Ah mais il préfère ça, il préfère le pire animé de l'univers, il préfère un des pires animés de l'univers, donc bon, à partir de là, moi j'en attends plus grand chose de lui. Hein. Il n'y a que le premier que j'ai un peu aimé. Oh, putain. En même temps, si t'en regardes qu'un, c'est pas étonnant que tu t'accroches pas, mon con. Minutes si j'aime pas. Je souhaite un règle sur un animé que je choisis. T'iras te faire foutre parce que je sais très bien que tu vas me demander de regarder SNK, donc tu vas clairement aller te faire mettre. Non, non, GTO, t'es gentil. Je vais pas regarder ça en live, hein, c'est hors de question. Si c'est pour avoir des problèmes avec Twitch, mon grand, t'es gentil, mais va te faire mettre. Hein. J'ai l'impression d'oublier un truc ici, je sais pas pourquoi.
Bah, GTO, à l'époque, j'aimais bien, mais je re-regarderai pas à l'heure actuelle, tu vois. Pour moi et moi. Si en tout cas. Ah oui, non mais bien sûr. S'il n'y a pas un pélo qui sort pas un truc Star Wars en dehors de Disney, Star Wars ce sera terminé. Bah après, il y a le Mandalorian, je peux pas dire que c'est mauvais le Mandalorian. Les mangas c'est mieux. Non mais ça revient au même. Regarder un animé ou lire le manga de l'animé en question, ça revient exactement au même. Donc non, je regarderai pas et j'étais au point barre. Comme si tu me demandais de lire SNK au lieu de regarder l'anime, ça vient en même. Réfléchis. Pas mauvais, mais bordel, Star Wars c'est plus vaste que ça, voir Baby Yoda c'est cool. Ah, en même temps, Star Wars, le problème c'est que on connaît qu'une seule galaxie quoi. Je vois pas comment tu veux qu'il fasse autre chose que taper sur la galaxie qu'on connaît déjà, quoi. Faudrait qu'il nous donne une bonne raison pour voir une nouvelle galaxie. Pareil, je suis désolé, mais les Bad Batch, elle est pas mauvaise, la série. Bon, là, la saison 2, elle est déjà terminée, mais bon. Des aliens dans l'ancienne république. Après, le truc là, c'est que pour sans te mentir, Nako, The Old Republic, j'ai jamais pu le faire en entier quoi. Genre, j'ai dû jouer 2-3 heures grand max dessus quoi. Bon, il m'emmerde, cassez-vous! Ils veulent pas me foutre la paix sinon. Il m'emmerde là, cassez-vous! Pourtant mon con, c'est la dernière balle que tu tires à ta vie. Et là pour le coup, c'était létal, hein.
Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc mon microclim est mort. Merde! En même temps, ça fait un moment. Comment ça, je suis dans un tunnel? Qu'est-ce que tu me baragouines, toi? Allô, allô. Pourquoi je m'entends pas de... Putain. Allô, allô. Ok, c'est Ok, bon. c'est bon. Non, non. Non, non. Autre Autre micro sur micro sur pied. pied. Obligé d'utiliser un autre micro sur pied. Alors du coup, attends, avant que je relance le jeu. Alors à mon avis, je suis vraiment pas fan, c'est joli, mais je trouve certaines choses incohérentes. Alors... Quand tu dis que dans Star Wars, il y a des incohérences, et que tu me dis que dans SNK, il n'y a pas d'incohérences, c'est vraiment du foutage de gueule. Et non, ça donne pas envie. Bah ça, après, si t'as pas de goût, mon con, c'est ta faute, hein. J'ai choisi comme dessin animé Sonic X. Oui, bah tu vas bien te faire mettre aussi, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Puis de toute façon, si c'est pour me faire que comme pour mon vote récent... Si c'est pour me faire comme pour les votes récents, où il y a des gens qui votent mais qui viennent pas sur les streams pour voir les gens en question, bon. Je sais, je suis un culte. Oui, bah ça oui, c'est pas nouveau. On verra pour l'instant, oui, tu n'as pas attaqué. Bon, c'est bon là, il n'y a pas de problème. Tout va bien. RTRT 1, 2, 1, 2. RIP mon micro clim. Qui me date depuis 4 ou 5 ans. Bon point, comme dirait l'autre. Exactement. Du coup, je suis désolé pour ce petit interlude. Ça nous aura permis de faire une petite pause, n'est-ce pas? Putain de nom de Dieu. On retourne en arrière. Moi, c'est ça que je veux. Là. Hop. Voilà. Mais putain, mais remets-moi le chat, fils de poule! Là. Ça fait rien si je t'abandonne maintenant. Bon, de toute façon, au point où j'en suis, t'es gêne, hein. Oh putain, j'ai pas enlevé la musique, j'en ai marre. Désolé. Ça va bien se passer. Voilà pourquoi je n'aime pas faire des jeux qui ne sont pas enfenêtrés. Bonne nuit à toi, bonne soirée, t'es jeune. C'est bon, on voit toujours le jeu. Ok. Et tu vas faire quoi alors? Oh! Il va se chatouiller. Tu dois coacher quelqu'un. Ouais, il va coacher quelqu'un sur sur son jeu de mort là. Batman avec une tenue rouge. Non, il est pas bon le jeu. C'est un jeu où faut traverser ses grands morts. Un jeu où faut traverser ses grands morts, c'est un mauvais jeu. Ah bon?
Pas obligé de tryhard sur Super Smash Bros. Oui, bien sûr. Ou à l'heure actuelle, les mecs, c'est que des mecs qui font de la compète. Qui font que tryhard leur grand mort. Donc si, c'est que un jeu où faut tryhard ses grands morts. C'est tout. Mais non, mais Rala, il fait pas de la compète. Mais concrètement, tous les streamers qui jouent sur Smash Bros, c'est que des tryharders. Et ça, tu pourras pas me dire le contraire. Après, je vais coach un gars qui ne tryhard pas. Oui, pour l'instant. Ça va durer combien de temps avant qu'il se mette à tryharder? 2 mois. Il veut s'améliorer pour tenir un peu, donc pour pouvoir tryhard. Rappelle-moi sur quel jeu tu veux qu'on joue tous les deux déjà? Sur Tekken, ah oui. Sur des jeux, c'est principalement de la compète et du tryhard. Alors du coup sur Phasmo, il va falloir que je rechange mon micro aussi. Oh putain, quel enfer. Oh oui, bon ça, j'ai encore le temps. Edward Nigma, alias le Sphinx, est un obsédé des énigmes, des puzzles et des jeux de mots. Il trouve plaisir en laissant des indices sur les scènes de ses crimes pour Batman, qui en général amène à sa défaite. Avec une technologie spéciale incorporée dans sa canne, il peut prendre le contrôle des esprits des autres. On m'entend toujours, assurément. Bon, là, c'est le dernier, c'est le Sphinx. Donc, en théorie, on devrait être bon après ça. Enfin, là, pour le coup, ce sera la fin du premier chapitre. Bon, je vais coacher le gars. Ok, à plus. J'en sais rien. Mardi, peut-être. Mardi, mercredi, j'en sais rien. T'auras la notif.
À plus. Oh non, pitié, pas encore un truc à contrôler. Hein. Ok. D'accord. Sinon, vous pouvez juste passer par-dessus. Ça y est, c'est bon. Ah ouais, ça. Encore un costume? C'est le jetpack. Oh, le planeur. C'est ça, le jet planeur. Enfin, s'il tombe tout seul, c'est abruti aussi. Hop. Ça dégage. Oh, une moto! Ça, c'est un truc qui me flinguera toujours, ça les quand tu contrôles pas un perso, il peut pas tuer. Non, non.
crois ça, sinon tu laisses ton copain faire le taf. C'est ça, je te jure. De la thune! Ich. On va pas te faire le truc comme ça. Si taper des fleurs ça rapportait vraiment autant d'argent, ça ferait longtemps que j'aurais écrasé toutes les fleurs que je voyais. Ah, je serais plus en dèche de thunes depuis longtemps. Putain. Sinon, ça me dit pas ce que je dois faire.